do I feel happy in life? Let's see. Let's say I hope I'm finding happiness. Right? Well, for me, if I can realize certain things in my work, I come the closest to being happy. And I can say that also about my life. I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable. C'est le 5 août 1962, à l'âge de seulement 36 ans, qu'on retrouve Marilyn Monroe morte, nue sur le lit de sa chambre. Est-ce qu'elle était malade ou est-ce que c'était un coup du gouvernement? C'est ça qu'on va essayer de savoir dans cette vidéo. Bon, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ne sache pas qui est Marilyn Monroe, mais je vais quand même la présenter assez rapidement. Norma Jean Mortensen, plus connue sous le nom de Marilyn Monroe, était une actrice et chanteuse américaine née en 1926. Elle était très 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 populaire dans les années 50 et même encore aujourd'hui. Je pense que Marilyn va toujours rester une icône. Marilyn fait vraiment partie de la culture américaine. Elle et sa beauté extraordinaire voulaient être mannequin. Mais en 1946, elle va être repérée par Ben Lyon, un cadre de la 20th Century Fox, qui est l'une des plus grosses sociétés de production cinématographique. Et elle va donc signer son premier contrat en tant qu'actrice la même année. Mais tu sais, on va se le dire, les rôles qu'on lui donnait, c'était plutôt des rôles pour servir sa beauté, pas vraiment le reste. Son intelligence était passée à la trappe. Marilyn, elle a eu une enfance assez compliquée, dans le sens que sa mère, Gladys Monroe, avait plusieurs troubles psychiques. Elle avait aussi des relations extra-conjugales. Donc, Marilyn n'était pas la fille véritable de l'homme avec qui elle était mariée, sa mère, Edward Mortensen. Mais elle a toujours su que Mortensen n'était pas son père. Et sa mère et lui ont fini par divorcer en 1928. Et comme Gladys, avec tous ses problèmes de maladie mentale, entre autres, était incapable de s'occuper de Marilyn et d'ailleurs de ses deux autres frères et sœurs, Marilyn sera placée les 7 premières années de sa vie dans des familles d'accueil. Elle en a eu beaucoup, vraiment. Je pense autour des 10-11. Donc, tu sais, ça commençait pas super bien pour elle. Bon, je vais zapper toute sa carrière parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Malgré les apparences, Marilyn avait une personnalité plutôt introvertie, timide, réservée. Et elle était très intelligente. Elle avait un QI vraiment élevé de 170. On dira d'ailleurs qu'il était plus élevé que celui d'Einstein, mais bon. Mais tu sais, elle était vraiment pas épanouie dans sa vie privée, dans sa vie amoureuse. Malgré le fait qu'elle soit devenue ce qu'on sait, elle a enchaîné les déceptions amoureuses, les fausses couches aussi. Marilyn avait aussi des problèmes de santé. Elle avait été hospitalisée en 1952 pour une crise d'appendicite, puis elle avait laissé une note sur son ventre à l'intention du chirurgien, lui demandant, lui suppliant quasiment, d'éviter à tout prix une ablation d'ovaire. Et à lire sa petite note, ça fait mal au cœur, vraiment. Dans sa petite note, elle disait « Cher docteur Rabouin, coupez aussi peu que possible. Le fait que je sois une femme est important et signifie beaucoup pour moi. Gardez-en, s'il vous plaît, je ne peux pas le demander assez. Vous avez des enfants et vous devez savoir ce que cela signifie. S'il vous plaît, docteur Rabouin, je sais que vous le ferez. Merci, merci, merci pour l'amour de Dieu, cher docteur. Pas l'ablation d'ovaire. Et s'il vous plaît, faites ce qui est en votre pouvoir pour éviter de grandes cicatrices. Je vous remercie de tout mon cœur. » Mais en ouvrant son abdomen, il constate que c'est pas du tout une inflammation de l'appendice dont elle souffre, mais bien d'un état assez avancé d'endométriose, donc le tissu qui recouvre la paroi interne de son utérus, qu'on appelle muqueuse utérine, s'était étendu en dehors de la cavité utérine. Bon, désolé, j'emploie peut-être pas les mots adéquats, mais c'est ça. Donc, à l'époque, il n'existait pas encore de traitement pour ça, pour cette maladie-là. Et donc, il y avait juste la chirurgie qui était employée pour traiter les zones d'endométriose. Et entre 1952 jusqu'à sa mort, Marilyn a subi 7 interventions pour tenter de soulager ses nombreuses douleurs, parce qu'elle avait vraiment mal avec cette maladie-là. L'endométriose entraîne surtout des problèmes de douleur et d'infertilité. Sauf que Marilyn, bah, elle rêvait d'avoir un enfant. La grande star qu'on connaît commençait donc à faire une dépression.
C'est ce qui l'a poussée à prendre vraiment beaucoup de médicaments antidouleurs. Elle n'était plus capable. C'est une maladie qui touche aujourd'hui une femme sur 10 environ, ce qui est quand même beaucoup. Mais on a caché au grand public sa maladie pendant très très longtemps. Je comprends pas vraiment pourquoi. Peut-être que c'était pour éviter de ternir son image de sexe symbole, je sais pas. Mais tu sais, c'est cette maladie qui aurait pu expliquer le fait qu'elle soit tout le temps malade, en retard sur les plateaux de tournage. C'est cette maladie qui aurait pu aussi expliquer ses sautes d'humeur, ses fausses couches, tout le kit. Cette maladie serait donc à l'origine du décès de Marilyn, plus officiellement. Elle rédige un premier testament en 1956, dont les principaux bénéficiaires vont être sa mère, sa demi-sœur, son demi-frère étant mort, sa secrétaire, May Rhys, sa psychiatre, Marianne Criss, mais surtout à la famille Strasberg. Lee Strasberg a été le professeur d'art dramatique de Marilyn en 1955, puis elle est restée très proche de lui, de sa femme Paula Miller et de sa fille Susan, et elle rédigea un deuxième et dernier testament en janvier 61, juste un peu après avoir annoncé son divorce avec Arthur Miller. Et 3 semaines avant d'entrer dans la clinique psychiatrique Payne Whitney à New York. Donc ce testament-là va susciter une grosse controverse. On va dire notamment qu'elle était sous l'influence invalidante de sa psychiatre et de la famille Strasberg. Les 2 derniers jours de sa vie à Marilyn, les 3 et 4 août 1962, elle les a passés assez déprimés. Et la plupart du temps au téléphone avec ses proches ou pour son travail. Et elle fera une dernière balade sur la plage avec l'acteur Peter Lawford, beau-frère des Kennedy. Et ce samedi 4 août, à 20h30, sa gouvernante, Miss Murray, indique que ben, tout avait l'air d'aller bien pour Marilyn. Et dans la nuit du 4 au 5 août 1962, ben, sa gouvernante, elle trouve ça bizarre que Marilyn se soit enfermée dans sa chambre et qu'elle ait laissé la lumière allumée. Puis qu'en plus de ça, ben, Marilyn ne répond pas quand elle l'appelle. Donc elle alerte le psychiatre Greenson qui, lui, sur place, va casser la vitre de sa chambre pour pouvoir y pénétrer. Et là, il découvre qu'elle est morte nue sur son lit. Murray a dit qu'elle s'était inquiétée parce que le fil du téléphone courait sous la porte. Mais Marilyn passait ses nuits à appeler et le téléphone était toujours à cet endroit. En plus, la porte était si étroite que vous ne pouviez rien voir, même pas la lumière. Par les gens qui ont habité dans la maison à la suite de Marilyn, que c'était une porte sans serrure. Donc la porte n'est pas fermée à clé. Kenson traitait Marilyn pour ses insomnies à répétition. Et donc la seule pièce, tu le vois sur les photos, la seule chose qu'il y a chez elle, c'est qu'elle avait d'immenses rideaux qui dépassaient la fenêtre pour ne pas laisser rentrer la moindre lumière parce qu'elle avait peur que ça la réveille. Donc comment tu peux voir un cadavre à travers une fenêtre lorsque tu as des rideaux? Et sur sa table de nuit, il y avait plein de boîtes de cachets. Et par terre, sur le sol, il y avait un flacon vide de Nambutal, un somnifère. Mais bon, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau, de verre d'eau, de bouteille d'eau pour qu'elle puisse avaler tout ça. Donc le médecin légiste de Los Angeles va marquer dans son dossier que c'est un suicide probable. Mais est-ce qu'elle s'est suicidée pour vrai, désirant vraiment mourir, ou est-ce qu'elle aurait juste ingéré comme trop d'antidouleurs, juste pris tous ces médicaments-là pour arrêter sa douleur comme elle le faisait auparavant, sauf que là, elle aurait pris une dose un peu plus importante. Sa mort ne sera jamais élucidée par manque de preuves. Pourtant, il y a plein de choses qui ont été passées sous silence. Et depuis sa mort en 1962, les autorités américaines n'ont jamais voulu ouvrir d'enquête sur la mort de Marilyn et des circonstances. Beaucoup pensent que Marilyn aurait été victime d'un complot par le FBI, la CIA. Vous imaginez des théories du complot autour de sa mort, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup, je pense, parce que à l'époque, ben, il y a plein d'éléments d'enquête qui sont passés à la trappe. Par exemple, les enquêteurs de l'époque auraient pu recueillir beaucoup plus d'éléments s'ils avaient pu bénéficier des techniques d'analyse d'empreintes digitales comme aujourd'hui. Mais avouons que la thèse du suicide, même si elle était dépressive, est assez peu crédible. Et on va voir pourquoi. Bon, comme je le disais tantôt, on n'a pas retrouvé de verre d'eau ou de bouteille
près d'elle. C'est quand même utile si tu veux avaler autant de médicaments. Par rapport à la concentration de médicaments qu'on a retrouvé dans son foie, il aurait fallu qu'elle ingère une cinquantaine de comprimés de Nambutal et une vingtaine de comprimés d'hydrate de chloral. C'est énorme, ok? Tout ça sans eau, bien sûr. Puis, si elle ingère tout ça, ben, on est supposé retrouver des traces dans son tube digestif. Puis, dans l'autopsie du corps qui a été faite le 5 août, jour de sa mort, on n'a rien retrouvé du tout, ni dans son estomac, ni dans son intestin. Puis, c'est ça, la concentration de somnifères était si importante dans son sang qu'il aurait été impossible pour elle qu'elle avale tout ça, puisqu'elle serait morte après avoir ingéré environ 35% de la dose qu'on a retrouvée dans son foie, dans son sang. Donc, on lui aurait fait une injection. Marilyn serait décédée aux environs de 22h30 le 4 août. Et la police n'aurait été contactée que plusieurs heures plus tard. Ce qui laissait le temps à tous les acteurs de cette mise en scène de faire un peu de ménage et bien sûr de partir. Une affaire qui était assez bizarre aussi, c'est que la gouvernante de Marilyn, bien plus tard, elle a déclaré que vers 20h30, il y a quelqu'un qui a appelé pour Marilyn, du nom de Mickey Rudin, qui était en fait le beau-frère du docteur Greenson qui s'occupait de Marilyn. Il a appelé mais il voulait pas lui parler. Il a juste demandé si elle était là, puis si elle allait bien. Et une fois que la gouvernante lui a dit « Ben oui, ça va, tout est beau », il a raccroché. C'est comme s'il faisait une sorte de vérification, je sais pas, c'est bizarre. Mais la théorie autour des Kennedy est assez intéressante. Là, on en vient aux détails croustillants de l'affaire. Marilyn était donc en lien avec Bobby Kennedy, ainsi qu'avec son frère John, qui était le président Kennedy, qu'elle fréquentait. Et puis, elle était aussi en lien avec la mafia. Marilyn, elle connaissait des secrets d'État très très importants. Et dans les derniers mois de sa vie, elle était devenue comme une amoureuse hystérique de John. Elle l'harcelait au téléphone à la Maison Blanche. Elle était enragée en fait d'être rejetée par John. Elle tenait aussi un journal intime avec beaucoup d'informations assez menaçantes, on va dire. Et comme on lui connaissait des habitudes de mélanger des médicaments et de l'alcool, ben ça donnait un alibi parfait aux éventuels meurtriers. Puis quand la police est arrivée sur les lieux, au moment d'interroger la gouvernante, il y a un des enquêteurs qui la retrouve dans la buanderie en train de laver des draps en pleine nuit. Genre, Marilyn vient de mourir, puis toi tu penses à faire du lavage. Il y a plein de petits détails comme ça, assez louches. Comme le premier policier qui est arrivé sur les lieux, ben, il avait réclamé une enquête par rapport à tout ça, puis il a été mis à pied. Clemens a dit qu'il avait été très surpris par la position du corps de Marilyn Monroe. Il avait vu beaucoup de cas de suicide dans sa carrière et il ne ressemblait pas au cas de Marilyn. Normalement, les victimes de suicide sont recroquevillées sur elles-mêmes et elles ont du vomi sur le visage. Marilyn, elle, était allongée sur son lit en position de soldat, sans vomi sur son visage. Elle ressemblait à un enfant qui dort. Ou bien encore le fait que Marilyn soit retrouvée nue et qu'il est assez rare que les gens se suicident tout nus. Son journal intime qui disparaît des pièces à conviction, le médecin qui passe 5 heures sur un rapport d'autopsie, puis le rapport qui disparaît, les échantillons de reins, d'intestin et d'urine demandés par le premier légiste disparaissent. Toutes les fiches d'appel reçues et données par Marilyn, puisqu'elle était sous écoute, manquent, ils sont plus là, ils disparaissent eux aussi. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la dose retrouvée de médicaments dans son sein est trop énorme pour qu'elle puisse avaler l'équivalent de ce qui pourrait tuer 10 à 20 personnes. Ça n'a pas de bon sens. Et en août 62, les Kennedy sont vraiment après Marilyn. Sa relation avec John durait depuis 1951. Le 19 mai, pour ses 45 ans, à John Kennedy, elle est allée lui chanter Happy Birthday, une vidéo qu'on a vue maintes et maintes fois. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Mais
Ben c'est ça, Kennedy, assiégé par son clan et par la CIA, a rompu sa relation avec Marilyn. Puis c'était son frère Bobby qui était supposé aller lui annoncer la nouvelle. Mais à son tour, lui aussi, il tombe sous son charme. Mais bon, il lui dit « Faut plus qu'on se voit, faut plus que tu me vois moi ni John, c'est terminé. » Et ça l'a énervé. Forcément, ça a dû lui causer une très grande peine aussi, là. Elle aurait pu très bien, pour se venger, tout raconter, tout ce qu'elle savait. Puis, c'est ça, elle devenait dangereuse, Marilyn. Fait que c'est ça la théorie autour des Kennedy que je trouve pertinente. Vous me direz comme d'habitude ce que vous en pensez. Pour moi, il y a un petit peu trop d'affaires louches dans l'histoire. Parce que même si elle était morte de sa maladie, ça change rien au fait qu'il y a trop d'affaires bizarres, tu sais. Fait que c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'ai plein d'autres idées de personnalités connues qui sont décédées dans des circonstances un peu, dirons-nous, bizarres. Mais si vous avez des suggestions à me faire, vous pouvez toujours le faire. Ça va me faire plaisir de mener ma petite enquête. Bye bye tout le monde!